Salut, c'est bon de te voir connecté aujourd'hui. On est rendu au quatrième message de série qui s'intitule « Puis-je avoir la paix, s'il vous plaît? » Et si c'est la première fois que tu te connectes avec nous, le premier message qu'on a parlé, on a mentionné l'importance de s'arrêter pour réaliser que Dieu est Dieu. Le deuxième message qu'on a mentionné, on a pris l'importance de voir comment, oui, Dieu désire qu'on ait la paix à l'extérieur, les domaines extérieurs de nos vies. Et dans ces domaines-là, pour qu'on puisse avoir la paix, il faut chercher à pouvoir honorer Dieu dans chaque domaine de notre vie. En d'autres mots, s'aligner avec sa volonté pour qu'on puisse se positionner dans la paix. Et troisième message qu'on a parlé, on a vu comment Dieu désire aussi qu'on ait la paix dans nos relations. Et pour cela, l'une des façons que l'Écriture le mentionne, c'est qu'il faut qu'on réalise ensemble que nous sommes libres en Christ, mais nous sommes liés par l'amour. Et ça veut dire que oui, on est libre, mais notre liberté doit être dirigée par notre amour pour Dieu et notre amour pour les autres. Et maintenant, on est rendu au quatrième message. Et pour ce quatrième message, la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu te sens dans la paix? Je pose la question parce que j'ai réalisé que peut-être en ce moment, tu m'écoutes et tu te sens dans la paix peut-être aujourd'hui. Ou peut-être pas. Ou peut-être que oui, tu te sens dans la paix, mais hier, tu ne te sentais pas dans la paix. Et là, demain, tu ne sais pas comment tu vas te sentir. Parce que les émotions semblent changer constamment. Et ça me fait penser, pour les émotions, c'est comme ce lac qu'on pourrait voir, cette étendue d'eau. Et nos émotions, lorsqu'elles sont dans la paix, c'est lorsque l'étendue d'eau est calme, qu'on voit le reflet. Vous pouvez imaginer comment c'est paisible. Et tu peux voir seulement ce reflet où que tout est calme. Mais ça reste rarement comme ça. Soit qu'il y a du vent, ou soit qu'il y a une roche. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec la vie, avec tous les changements qui arrivent, c'est comme si chaque changement, chaque situation est comme cette roche qu'on lance dans notre étang émotionnel, qui continue à créer ces vagues, qui fait qu'on n'a jamais réellement cet état de calme. Par exemple, si on pense à l'année 2020 qu'on est en train de vivre, et là, tu as l'ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. C'est comme, est-ce qu'un jour, on va avoir une certaine stabilité? Est-ce qu'on va vraiment savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire sans devoir penser à toutes les restrictions? Ou même ceux qu'on avait planifiés cette année de se marier? Et là, on avait un mariage de rêve dans notre tête, on savait quoi ça aurait l'air, on avait pensé à inviter plusieurs personnes, mais là, aujourd'hui, ça a tout changé. Et là, au début de l'année, on était comme, OK, oui, ça a changé. Avec l'été, c'est comme, ça s'améliore. Mais là, aujourd'hui, ça n'a pas l'air totalement à s'améliorer ou les restrictions continuent de venir à se serrer davantage. Puis on se demande, est-ce que je vais avoir réellement le mariage qu'on rêvait? Donc, peut-être que cette année, tu pensais que c'était comme l'année pour trouver quelqu'un. Là, t'es comme, tu sais quoi, t'es pas en début d'année, mais là, rendu en fin d'année, ça va fonctionner, puis... Puis là, finalement, c'est comme, OK, les trucs sociaux, oui, on l'avait durant l'été, mais là, ça change encore, puis je ne suis pas certain. Qu'est-ce que ça a l'air au niveau de ça? Puis là, tu n'as plus la paix à ce niveau-là. Ou peut-être même au niveau de ton travail. Tu sais, au début, peut-être que pour toi, ça n'avait pas vraiment affecté ton travail, mais là, aujourd'hui, ton environnement de travail n'avait pas pensé que ça allait durer autant. Puis là, tu te poses des questions au niveau de la retraite parce que tu as peur de perdre ton travail. Avec tous ces changements qui arrivent. Même au niveau des études, on se demande de quoi ça va l'air. Est-ce que le domaine d'études dans lequel j'étudie va être un domaine qui va être encore demandé avec notre monde qui change constamment? Et là, il y a comme cette inquiétude qui commence à venir. Et même pour les jeunes parents, je veux dire, les futurs parents comme moi, come on, I love this. On a quand même cette inquiétude qui arrive parce qu'on est comme, regarde le monde qui change constamment. On se demande de quoi ça va l'air d'élever un enfant dans le monde d'aujourd'hui. Que ce soit au niveau de comment garder notre enfant en santé. De qui ça envoie l'air, de simplement l'élever dans un environnement comme celui-ci. Et même pour moi, personnellement, juste de penser à comment être dans un monde comme aujourd'hui, un bon mari, un bon père, un bon pasteur et un bon ami. Et d'être capable de jongler cela d'une façon à ce que je puisse garder la paix avec le monde qui change constamment. Parce qu'aujourd'hui, malgré le changement était toujours présent, ça reste quand même qu'un changement aujourd'hui, c'est comme cette grosse roche que tu as mis dans la mer, qui fait des massives vagues, qui, elle, n'arrête jamais parce qu'on dirait que c'est toujours dans un mode de tempête. Puis là, il n'y a pas seulement les choses qu'on ne contrôle pas, qui viennent se jeter dans l'eau pour créer les effets des vagues, mais tu as aussi les choses qui sont hors de notre contrôle. Je veux dire, les choses qui sont dans notre contrôle. Et dans les choses qui sont dans notre contrôle, c'est comme... Tu sais, les décisions qu'on prend tous les jours, on ne prend pas toujours les meilleures décisions. Il y a des erreurs qu'on fait dans la vie. On continue, moi et toi, à faire des erreurs, que ce soit au niveau même de nos relations qui sont brisées par les erreurs qu'on a commises. Là, on est pris avec cette inquiétude qui continue à venir dans notre tête et surtout le fait qu'on est pris chez nous, nos pensées commencent à continuer à rouler et à se poser la question que j'aurais pu faire mieux, qu'est-ce que j'aurais... Et là, ça continue à enlever cette paix à l'intérieur de nous.
de qu'est-ce que ça aurait pu être. Même au niveau du travail, peut-être que là, on est comme tout allait bien jusqu'à temps qu'on fasse une erreur intentionnelle ou on dise quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire. Puis là, ça nous a sorti de notre travail. Puis là, à cause de ça, on a comme cette inquiétude de dire, est-ce que j'ai trouvé un nouveau travail? Et là, constamment, on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui vient se jeter dans notre état émotionnel où on essaie de trouver ce calme, mais on n'est pas capable de le trouver parce que la vie continue à nous lancer des roches. Puis là, on se dit, tu sais quoi, je vais essayer de fuir la réalité. On va partir pendant 2 semaines dans un chalet, on va aller au bord du lac. Puis oui, certainement, on trouve à travers ça un sentiment de paix. Il y a comme ce calme qu'on peut trouver. Mais ça, c'est seulement pour un moment. On ne peut pas continuer à fuir notre réalité. On peut le faire pendant 2 semaines, mais après ça, il faut revenir. Il faut revenir y faire face. Et là, c'est la partie qui est difficile. Comment faire face? Parce que nous, ce qu'on désire, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'aimerais trouver cette stabilité. Où est-ce que je peux mettre mes 2 pieds sur le sol qui est ferme? Mais dans la vie d'aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis simplement au milieu de l'océan, dans la tempête constante, où est-ce que les vagues viennent, où est-ce qu'il n'y a pas un arrêt de roche qui vienne se jeter dans l'étang. Puis là, on se demande si on peut vraiment retrouver ce sentiment de paix. Mais si je te disais qu'au milieu de la tempête, au milieu des vagues, au milieu de l'incertitude, il y a une paix qui est plus certaine que jamais. Si je te disais qu'au milieu de ce qui semble être quelque chose d'instable, il y a une paix qui est plus certaine que jamais. Qu'il y a une paix qui ne change pas à cause de ce qui change dans le monde. Qu'il y a une paix qui ne change pas à cause de ce qui se passe dans ton monde. Et une paix qui ne change pas malgré les erreurs que tu as pu commettre et les erreurs que l'on peut continuer de commettre. Une paix qui n'est pas simplement superficielle, mais qui est essentielle. Une paix qui pourrait être décrite comme étant ce rocher qui est bien établi au milieu de l'océan, qui, malgré les vagues, ne changera jamais. Et ça, c'est la 4e paix que j'aimerais parler avec toi, qui est essentielle, qui, à travers ça, ça va être le fruit pour la paix dans les autres domaines de notre vie. C'est le fait que tu as la paix avec Dieu. Et ça le décrit ici, ça dit, lorsqu'on parle de paix, c'est la relation avec Dieu que nous avons, qui est dans la paix, où il n'y a aucune autre hostilité qui peut venir l'affecter. Toi et moi, Dieu nous a établis en paix avec lui. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut changer, parce que ce n'est pas quelque chose pour laquelle on a contribué. C'est une décision que Dieu a faite par sa grâce et sa miséricorde d'établir la paix avec toi et moi. Et ça, c'est difficile à comprendre parce qu'on a l'habitude de penser que c'est qu'il faut faire quelque chose parce qu'on a l'habitude de devoir régler les choses de notre vie pour y trouver la paix. Mais dans toutes les choses du monde, peut-être que ça prend, oui, qu'on fasse quelque chose pour le régler, mais sache que Dieu a décidé de régler au-delà de nos capacités. Il a décidé d'établir une relation de paix qui va au-delà de ce que je peux faire, au-delà de ce que tu peux faire, au-delà de ce qui se passe dans notre monde. Parce que la réalité, c'est que sans Dieu, et ce que je crois, c'est ce qui est au cœur du fait qu'on ne trouve pas la paix, c'est que toi et moi, on n'a aucune chance de réellement trouver la paix qu'on désire. On ne peut rien faire par nous-mêmes pour trouver la paix en Dieu. Ça prenait que Dieu établisse sa paix envers nous, à travers Jésus-Christ, son sacrifice à la croix, qui établit la paix avec nous. Parce que nous étions simplement, continuellement, dans l'influence de nos péchés ou des péchés des autres, qui est faire des vagues dans nos vies pour nous distraire et nous enlever la paix. Regarde, en Romains 1, 24, ça le dit ainsi, « C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures, selon les désirs mauvais de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. » Et Romains 1, 28 le dit, ça dit, « Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée et ainsi ils font ce qu'ils ne devraient pas. » En le fond, c'est qu'avant qu'on soit établi en paix avec Dieu, nous n'étions pas en paix avec Dieu parce qu'on a décidé de vivre sans Dieu. Et lorsqu'on vit sans Dieu, on est pris à vivre sur les conséquences de nos péchés et aussi du péché des autres. On est pris à avoir cette quête constante d'essayer d'établir une paix pour qu'on puisse se sentir à l'intérieur, qu'on ne trouve pas, parce que notre monde continue à jeter des choses dans l'état émotionnel que nous avons, qui fait que nous ne pouvons jamais trouver la paix, que vient cette quête qui semble simplement impossible. Et ça ne peut pas être changé par
des bonnes décisions. Ça ne peut pas être changé par simplement une bonne attitude et ni un bon comportement. Parce que lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, lorsqu'on lit la parole ensemble, on peut voir simplement que malgré qu'on essaie avec nos bonnes intentions, on continue de faillir. On continue de faillir, de faire tout ce qui est nécessaire pour établir la paix avec Dieu, malgré les sacrifices qui ont été faits, malgré les choses. Il y a quelque chose dans notre cœur qui continue à nous guider hors de la présence de Dieu, qui continue à nous éloigner hors de la paix de Dieu. Et lorsque Dieu voit cela, il a dit, je ne veux pas rester dans un état où je ne peux pas avoir la paix avec le monde. Je veux m'assurer de faire une action qui va au-delà de ce que nous avons, de nos capacités, au-delà des bonnes décisions. Je vais établir quelque chose qui va au-delà des circonstances. Et ça, c'est l'œuvre de Christ à la croix. Je sais qu'on a l'habitude de perdre cette paix-là. Je veux dire, la paix de nos émotions. On a l'habitude de croire que non, quand je n'ai plus la paix émotionnelle, je ne peux pas avoir la paix, mais Dieu fait quelque chose au-delà de tout ça. Il emmène par sa grâce, avec nous, un pas de miséricorde qui va au-delà de nos décisions. Il fait une action qui demande simplement à moi et à toi à ce qu'on accepte par la foi l'œuvre de Jésus-Christ. Et ça, j'aime parce que ce n'est pas simplement de maintenir un standard. Vous savez, parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'on se dit, je vais avoir la paix émotionnelle à l'intérieur, on veut essayer d'établir cette paix sentimentale où est-ce qu'il faut avoir un bon balance dans tout. Hein? On peut avoir une vie balancée, on peut avoir une vie balancée, mais c'est quand qu'on a une vie balancée? Le monde change constamment. C'est dur de trouver un balance hein, lorsqu'il n'y a pas une fondation. C'est dur de trouver un espace pour avoir une stabilité lorsqu'on n'a rien sur lequel on peut se tenir pour nous permettre d'avoir cette stabilité. Mais avec Dieu, notre relation, ce n'est pas un standard. Ce n'est pas un standard à tenir où ce que nous pouvons s'assurer que Dieu va être toujours en paix avec nous, si on garde cette bonne attitude, si on garde cette performance, où ce qu'on peut avoir cette stabilité. En d'autres mots, on trouve la paix lorsque l'on essaie, non lorsqu'on essaie simplement d'arrêter les vagues, mais lorsque l'on trouve le rocher au milieu de la tempête sur lequel on peut se tenir, moi et toi. En d'autres mots, on ne trouve pas la paix lorsqu'on cherche simplement un sentiment. On trouve la paix, toi et moi, lorsqu'on trouve Christ. Là se trouve la paix. Parce que le sentiment de paix peut venir, partir. Mais Christ est toujours là. Christ est ta stabilité, ta sécurité et ta paix. Au milieu des vagues et des tempêtes, peu importe ce qui se passe dans le monde, Christ est toujours là et l'œuvre qu'il a faite nous garde en paix avec Dieu. Romains 5, 1 le dit ainsi. Et ça, je trouve que c'est un verset qui est super important et que c'est bon de saisir. Ça dit, « Ainsi, nous avons été reconnus justes par la foi et nous sommes maintenant en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et dans ce passage qui est bon de saisir pour mettre un peu de contexte, c'est dans les quatre premiers chapitres, ce verset semble emmener la conclusion que Paul essaie de faire à l'Église de Rome. Il leur dit finalement, après tout ça, nos œuvres ne sont pas ce qui nous met en paix avec Dieu, mais c'est l'œuvre de Christ à la croix. Et du moment que nous mettrons notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes considérés comme justes devant lui. Maintenant que nous sommes justes devant lui, nous pouvons avoir la paix avec Dieu à cause de Jésus-Christ. Alors, du moment qu'on l'accepte dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, nous pouvons vivre cet état, cette action que Dieu a fait de notre part pour être en paix avec lui. Et lorsqu'il parlait à l'Église de Rome, il y avait plusieurs non-juifs. Il y a quelques théologiens qui considéraient le fait que Paul utilisait un langage que les non-juifs pouvaient comprendre sur la paix, la réconciliation et la pacification. Et c'est un langage qui n'est pas lointain d'eux parce que l'empereur de Rome, dans ce temps-là, utilisait le même langage. Il décrivait ça aussi comme la Pax Romana, la paix romaine. La chose, par exemple, avec cette paix romaine-là, c'était une paix qui était établie par la force. Alors, c'est quelque chose qui était par les conséquences de la mort d'autrui. Et c'est une paix qui emmenait plus la terreur que la paix. Et lorsque Paul essaie d'emmener et de faire comprendre aux non-juifs et à l'Église en général, c'est cette paix-là qu'on a l'habitude d'entendre, cette réconciliation,
ne sera pas établi par votre empereur, mais va être établi par le vrai Seigneur Jésus-Christ. Il va être établi par lui, et ça va être pas par la conséquence de la mort d'autrui. Ça va être par la conséquence de sa propre mort. Il va vivre la violence au lieu d'imposer la violence, et c'est là qu'il va avoir la vraie paix. En d'autres mots, il disait que l'empereur allait simplement imposer une paix qui semblait être superficielle. Mais ce que Jésus-Christ faisait, c'est d'établir une paix qui est éternelle. Une paix qui est fondamentale pour le monde. Une paix que le monde essaie de poursuivre en établissant plein de choses par leur action, par leur performance. Mais la réalité, c'est que cette paix qu'on désire, c'est ce que Dieu a établi à travers Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose qui était contre la culture contemporaine parce qu'eux avaient l'habitude d'entendre que l'empereur allait établir la paix, que c'était par la violence. C'était pas souvent que tu entendais que la paix était établie en subissant la violence. Alors, ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ peuvent être assurés que leur foi leur est considérée comme étant juste. Romains 4, 24 dit, « Ils ont été écrits aussi pour nous qui devons être considérés comme justes, puisque nous mettons notre confiance en Dieu qui a ressuscité d'entre les morts Jésus, notre Seigneur. » Alors, notre confiance est basée sur le fait que Christ a été mis à mort pour nos péchés et ressuscité pour que nous puissions être justes. Romains 4, 25 le dit ainsi. « Il a été livré à la mort à cause de nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour nous rendre justes. » Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ce n'est pas une action qui avait une date d'expiration. C'est une action encore que moi et toi, on bénéficie aujourd'hui. C'est une chose qui dit, tu sais quoi? Il ne voulait pas attendre que notre monde soit réglé. Il ne voulait pas attendre qu'on ait toutes les choses en ordre. Il ne voulait pas attendre que le monde trouve une stabilité. Il a dit, je vais établir la fondation pour que je puisse avoir avec toi cette relation de paix. Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, par son amour pour toi, décide d'envoyer son Fils pour faire une œuvre qui est plus grande que toi. Et ça, ce n'est pas un attribut qui est juste simplement donné aux chrétiens, qui est imposé sur les chrétiens. C'est quelque chose d'objectif. Dans le fond, c'est quelque chose que, peu importe ta condition présente, peu importe la décision que tu as prise aujourd'hui, Dieu a dû faire une œuvre, a voulu faire une œuvre à travers Jésus-Christ qui va au-delà du fait de ta décision maintenant. Il a dit non, je vais faire une œuvre pour que du moment qu'il décide de m'accepter, du moment qu'il décide de mettre la foi en Jésus-Christ, il va pouvoir vivre cette paix avec moi. Et ça, c'est pas simplement une paix intérieure tranquille. Et pourquoi je mentionne ça? Parce que quelquefois, on est prêt avec le fait que si je ne sens pas cette paix à l'intérieur, que je sens la paix sentimentale, que Dieu est là. Dieu est pas là, dans le fond. Si je le sens plus, Dieu est pas là. Non, c'est Dieu a voulu faire quelque chose au-delà de tes sentiments. Dieu a voulu faire quelque chose au-delà des circonstances. Alors, la paix qu'il parle, c'est pas simplement une paix, tranquillité intérieure qui est simplement constamment affectée par les choses qui arrivent dans ton monde ou dans ton monde, mais Dieu a voulu établir une paix au niveau de sa relation avec toi. Dans le fond, c'est pour dire que moi et toi, on est en constante position de venir vers lui comme un accès qui est VIP du fait qu'on peut venir dans sa présence constamment. Que même lorsque toi et moi, on a l'impression, on a ce sentiment, j'ai l'impression que Dieu n'est pas là avec toutes les choses qui arrivent dans le monde, sache que Dieu est là. Dieu établit une œuvre qui est plus grande que ce monde. Dieu établit une œuvre qui est plus grande que les changements constants. Dieu établit une œuvre qui est plus grande que tes craintes. Maintenant, il est présent, établi par l'œuvre de Jésus-Christ, sa vie, sa mort et sa résurrection, pour que tu puisses être en paix avec lui. Alors, ce n'est pas simplement une paix de nos pensées qu'il a établie. Ce n'est pas simplement une paix émotionnelle qu'il a établie. Mais c'est une position, conscience, qui va me dire que nous sommes en paix avec lui. Et oui, certainement, cette paix que l'on a, que Dieu a établie pour nous, peut venir influencer la paix intérieure, la paix émotionnelle, la paix de nos pensées, la paix dans notre cœur. Cette paix objective vient influencer cette paix qui est subjective. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est que l'inverse n'arrive jamais. Lorsque mes émotions sont comme une tempête et qu'on peut oser se poser la question si on est en paix avec Dieu, sache que tes émotions ne changent pas ta position. Tes émotions ne vont pas changer la condition que tu as avec Dieu. Parce que cette condition n'est pas établie par tes actions. Cette condition n'est pas établie par ta bonne attitude ou ton historique parfait. Non, non, non. Cette condition est établie par Dieu
au-delà de tes émotions, au-delà des erreurs que tu as pu commettre et au-delà des décisions, des erreurs qu'on peut commettre dans le futur. Colossiens 1:20 dit « Et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par le Christ qui a versé son sang sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, sur la terre comme dans les cieux. » La parole le mentionne par le sacrifice à la croix de Jésus-Christ, par son sang. Nous sommes dans la paix avec Dieu. Par son œuvre, nous sommes dans la paix avec lui. Nous sommes réconciliés avec lui. Et je veux mentionner ça parce que peut-être qu'en ce moment, je vais prendre une pause simplement pour parler à quelqu'un qui... Peut-être tu as l'habitude que pour trouver la paix, fallait que tu aies la possibilité de tout régler. C'est cette chose où tu devais prendre toujours la responsabilité sur tes épaules de tout régler parce que tu es en train d'essayer de tout régler dans ta vie. Tu as l'impression aussi que tu règles quelque chose avec Dieu. Tu avais l'impression que pour avoir la paix avec Dieu, il fallait que tu aies les choses en ordre, toutes réglées pour t'assurer que tu puisses être en paix avec lui. Mais je voulais te rappeler aujourd'hui que Dieu ne voulait pas attendre que tu aies tout réglé. Tu ne voulais pas attendre que tu aies toutes les choses en ordre pour trouver la paix avec lui. Il a fait une œuvre qui est plus grande que toi, plus grande que toutes les bonnes décisions que tu peux prendre. Il a dit, malgré les moments où tu ne peux pas tout régler, je suis en paix avec toi. J'ai établi cette paix avec toi. Parce que quelquefois, peut-être on est encore pris avec ce fait qu'on a l'impression de déplaire à Dieu. Et à cause qu'on déplaît à Dieu, on décide de se distancer de lui. Et là, on est pris avec le fait qu'on se distance constamment parce qu'on ne veut pas avoir ce sentiment d'avoir failli, ce sentiment de distance qu'on a l'habitude d'avoir. Mais sache aujourd'hui qu'il n'y a rien que tu peux faire pour te mettre à une telle distance que Dieu ne veut plus s'approcher de toi. À cause de Jésus-Christ, tu es en paix avec lui, encore aujourd'hui. Je sais peut-être que tu ne le sens pas, là. Peut-être qu'en ce moment, tu as l'impression que hier, tu as fait quelque chose que tu regrettes aujourd'hui et tu penses que tu n'es plus en paix avec Dieu. Sache que tu es en paix avec lui. Et de là, tu peux trouver cette source de paix pour continuer d'avancer dans la paix. Ne laisse pas l'expérience que tu as avec le monde t'éloigner de celui qui a pris les fardeaux du monde pour être en paix avec toi. Ne laisse pas les expériences que tu as dans le monde t'éloigner de celui qui a pris les fardeaux du monde pour être en paix avec toi aujourd'hui. Ne laisse pas les circonstances présentes, le fait peut-être que même que l'Église maintenant est en ligne comme ça, t'éloigner de nourrir cette relation de paix avec Dieu dans la prière à chaque jour. Parce qu'on ne trouve pas la paix lorsqu'on cherche simplement un sentiment de paix, mais lorsque l'on trouve Christ. Parce que c'est pour ça que les anges ont chanté à la naissance de Christ dans Luc 2, 14. « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. Tu es celui que Dieu aime. » Ne laisse rien ni personne te dire le contraire. Christ est venu pour toi. Jésus-Christ est venu pour toi parce qu'il a vu ta condition présente, il a vu ta tempête émotionnelle, il a vu ce qui se passe dans le monde, puis il a dit, je veux m'assurer qu'il sache que peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il peut faire, je vais établir une paix qui est plus grande que toute circonstance, plus grande que toute décision. Tu es en paix avec Dieu. Ne traitons pas notre paix avec Dieu simplement comme un sentiment. Ne laissons pas nos sentiments nous distraire, nos circonstances nous distraire du fait que Dieu est appelé une paix plus grande que ce monde. Parce qu'aujourd'hui, par sa grâce et sa miséricorde, Dieu continue de te poursuivre. Dieu va continuer de te poursuivre jusqu'à ce qu'il te trouve. Et tu sais, c'est quoi sa grâce et sa miséricorde? Encore plus grand, c'est le fait que du moment qu'il t'a trouvé, il continue de persévérer. Il continue de persévérer avec toi et avec moi. Il continue de persévérer même lorsqu'on l'a accepté dans notre vie et on a l'impression qu'il s'est éloigné de nous. Il persévère pour nous rappeler, de dire « Non, je suis toujours là ». Je sais, les vagues essaient de me couvrir, essaient de me cacher, mais je suis là. J'ai fait quelque chose qui est plus grand que les tempêtes de ce monde. Romains 5, 10 dit, nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Et c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, ce que j'aimerais te rappeler, c'est que malgré tout, malgré ce que tu peux sentir en ce moment,
J'aimerais que tu puisses être libre des circonstances, libre des émotions qui sont simplement une tempête, que toutes les choses semblent déranger. Sache que rien ne peut déranger ta relation avec Dieu, parce que l'œuvre qu'il a fait est plus grande que tout. Il voulait avoir cette relation de paix avec toi. Retourne en prière pour nourrir cette relation que tu as avec Dieu. Dieu a déjà tout réglé. Et je veux simplement te rappeler, Dieu n'est pas comme tes parents. Peut-être tes parents avec qui tu as eu une relation qui était difficile et qui n'ont pas réellement voulu te pardonner. Sache que Dieu t'a pardonné, tu es en paix avec lui. Dieu n'est pas comme ton ami qui a voulu garder rancune et qui a essayé de faire tout ce qui était dans ton pouvoir pour régler la situation, mais ce n'est pas réglé. Dieu a réglé la situation, il est en paix avec toi. Dieu n'est pas comme ton superviseur au travail parce qu'il simplement regarde ta performance pour savoir si tu peux garder ta job. Non, ta job, la position que tu as avec Dieu reste ferme parce que c'est Dieu qui a établi cette position de paix avec toi. Dieu n'est pas quelquefois comme un chrétien peut-être à l'église qui t'a mis dans une boîte à cause qu'il a vu une erreur que tu as commise, tu as l'impression que tu ne peux plus revenir à l'église. Sache que tu peux toujours revenir parce que Dieu est toujours en paix avec toi. Dieu n'est pas comme ta relation peut-être que tu as avec tes enfants et que tu as voulu faire ton possible comme parent, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui t'a distancé d'eux. Sache que tu n'es jamais distant de Dieu. Dieu a établi une œuvre plus grande que toi pour que tu sois en paix avec lui. Ton histoire est changée du moment que tu acceptes Christ dans ta vie parce qu'il a établi un nouveau commencement. Il a établi une nouvelle fondation à travers l'œuvre de Christ, sa vie, sa mort et sa résurrection. Tu es en paix avec Dieu. Et je sais qu'on a la tendance de se focaliser du pourquoi nous ne devrions pas être en paix, mais malgré toutes les raisons que tu peux mettre dans ta tête aujourd'hui, sache que toutes ces raisons sont triomphées à la croix par la victoire qu'il a eue, par son sacrifice et sa résurrection. Et j'aimerais finir avec ce psaume qui dit, psaume 23, psaume populaire, qui dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée. Tu remplis ma coupe, elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. » Et je veux simplement apprendre ce psaume, parce que je ne sais pas si tu as réalisé, mais Dieu nous met au repos. Dieu nous conduit au calme. Dieu nous fait revivre. Dieu nous guide sur la bonne voie, car Dieu est fidèle à lui-même. Dieu nous accompagne. Dieu nous conduit. Dieu nous défend. Dieu nous prépare un banquet. Dieu remplit notre coupe au point qu'elle déborde. À travers Jésus-Christ, nous pouvons bénéficier du fait que Dieu a tout fait pour toi et moi, pour qu'on soit en paix avec lui. Ça prend simplement de résoudre, de revenir à lui. Et au cœur de tout ça, il faut se rappeler que Jésus-Christ n'a pas fait simplement amener un nouveau concept de paix. Ce que Jésus-Christ a fait, c'est de nous faire réaliser qu'il n'est pas là pour simplement redéfinir ce qu'est la paix. Il est venu comme étant la paix. Christ est la paix. Il n'a pas établi un concept de la paix. Il est la paix. C'est pour ça qu'on trouve la paix non lorsqu'on poursuit un sentiment, mais lorsque l'on trouve Christ. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est simplement inviter chaque personne qui peut-être, toi, t'es connecté aujourd'hui pour la première fois et tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et que pour que tu puisses bénéficier de cette paix avec Dieu, ça prend simplement que tu puisses mettre ta foi en lui pour que tu puisses être considéré juste et que tu puisses bénéficier de la paix que Dieu a établie pour toi avec lui. Et c'est pour cela aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est simplement te diriger dans une prière pour accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et peut-être que ça fait plusieurs fois que tu te connectes aujourd'hui, mais à cause des erreurs que tu as commises, tu as pensé que tu n'étais plus en paix avec Dieu. Mais aujourd'hui, sache que peu importe les mensonges que tu as entretenus dans tes pensées, qu'aujourd'hui la vérité puisse venir pour te dire « tu es en paix avec lui ». Ne laisse rien ni personne te dire le contraire. Mais aujourd'hui, viens simplement à lui. Reviens à lui. Et ensemble, j'aimerais qu'on puisse faire cette prière. Dis-lui « Jésus, aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Pardonne mes péchés. J'accepte ta grâce et ta miséricorde envers moi. J'accepte ton sacrifice à la croix
et ta résurrection d'entre les morts. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Et si c'est toi, c'est la première fois que tu prends cette décision, tu fais cette prière avec moi, je veux te dire, félicitations, c'est la meilleure décision que tu as prise de ta vie. Je te félicite au nom de l'Église. Nous sommes tellement heureux pour toi parce que c'est un nouveau départ. Et pour cela, on aimerait honorer cette décision que tu as faite, cette prière. Ça prend simplement d'aller sur notre site web, de cliquer sur « J'ai dit oui à Jésus » et de remplir le formulaire parce qu'on aimerait t'envoyer un cadeau de notre part, de ma part, pour honorer la décision que tu as prise aujourd'hui. Encore une fois, félicitations. Et maintenant, c'était la fin du quatrième message sur « Puis-je avoir la paix, s'il vous plaît? » Et simplement qu'on se rappelle aujourd'hui qu'à la fondation de toute chose, à la fondation de trouver la paix dans notre monde, de trouver la paix intérieure, ça prend qu'on accepte le fait que nous avons la paix avec Dieu. Que Christ soit notre fondation. Ne pas poursuivre un sentiment simplement, mais continuons de poursuivre Christ parce que lorsqu'on le trouve, on trouve la paix. Que Dieu vous bénisse tout le monde et on se voit à la prochaine. Merci, Pasteur Benjamin, pour ces paroles appointées pour nos vies. Maintenant, si vous faites partie des personnes qui ont dit oui à Jésus pour la première fois, nous avons prévu un cadeau spécialement pour vous. Donc, pour pouvoir en bénéficier, assurez-vous d'aller sur notre site internet, mcigc.ca, dans l'onglet « J'ai dit oui à Jésus » et remplir le formulaire qui s'y trouve afin de pouvoir bénéficier de ce cadeau pour vous. Merci Seigneur pour notre équipe de louanges et notre équipe créative. On est bénis de vous avoir parmi nous. Maintenant, on est rendu à la fin de notre service. On vous remercie d'être resté connecté avec nous. Et ce soir, n'oubliez pas, à 18h, il y a la soirée guérison avec notre cher pasteur Alberto Carbon sur Facebook. Donc, si tu veux prendre ta guérison, et je suis convaincue que c'est le cas, ou si tu connais aussi des personnes qui ont ce désir-là, invite-les afin qu'ils puissent être connectés et recevoir leur miracle. Sur ce, passez une glorieuse semaine dans la présence de Dieu et on se dit à dimanche prochain.